Je vais faire ça parce que je me rends compte que mon micro n'était pas actif sur l'autre menu. C'est un petit bug, désolé, un petit peu les aléas du direct. Donc non, non, c'est bien un live. On est bien en direct, Julien. Non, non, ça va, ça va. Je reviens, je reviens. Donc du coup, on était censé partir sur Atomic Heart, mais malheureusement, voilà, une mise à jour de 67 Go, donc c'est un peu long. J'ai pas envie de commencer à jouer à 2 h du matin. Donc voilà, on retourne sur Hogwarts Legacy. Bon, je sais plus trop où j'en étais dans le jeu. Donc on va y retourner tous ensemble. Et je vous laisse le générique pendant que je charge mon personnage. Allez, c'est parti. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip and I... Et voilà, ça tombe bien, en plus on est à Préolard, c'est pas nickel. On se promenait un petit peu parce que je sais absolument plus quelle quête je devais faire. Trouver l'entrée de la mine. Alors, d'accord. Ouais, j'aime bien le look que j'ai fait à mon perso. Je sais bien que tout le monde garde les uniformes, mais moi, j'avais pas envie. Je trouve que ça tombe bien. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est bien ou pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream sur YouTube, donc on sait jamais qu'il y a des réglages un petit peu différents. Dans tous les cas, de mon côté, ça a l'air nickel. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Oui, ça va. C'est tout bon. Donc, est-ce que pour vous ça va? Vous me dites. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'était quoi la quête? Hop. La loyauté de Doc Doc. Trouver l'entrée de la mine. Niveau 24, ça va, je suis 25, c'est parfait. Doc Doc essaie de pénétrer seul dans la mine côtière. Je dois le trouver. Des mines, ça sent encore les araignées, tout ça. Les où? Non, j'aurais dû lancer la carte quand j'étais là. C'est pas grave, on va juste regarder vite fait où c'est. Donc, carte du monde. Merci. Ah, c'est pas tout près déjà. Ah, c'est vraiment pas tout près, mais j'ai une cheminette ici. Allez, où? Ça va, et le son, ça va pour vous aussi? Excusez. Les chargements sont pas assez longs, donc ça va aussi. Oh, bah, tant que je suis là. Hop. Ah, bah non. Voilà, merci. L'objectif est là-bas. Allez hop, direction. Un petit tour en balai. Voilà, c'est mieux. C'est vrai que quand tu regardes. Cet endroit a connu des jours meilleurs. C'est super beau, c'est vrai. On va descendre un peu, comme ça on gagne en vitesse. Hop. Voilà, plus on est près du sol, comme ça vous le saurez quand vous jouerez. Et votre barre de boost remonte très vite. Voilà, on est assez près. Oh, il y a une grosse bête dans le coin. C'est quoi? Histoire de m'échauffer, j'ai vu qu'il y avait des mages noirs là dans le coin. On va aller les taper. Ça me défoulera. Bonjour. Bombarda. J'ai honte pour toi. Action. Crescendo. Aïe. Tu vas essayer de. Je reste le saut. Je suis la bébête. Action. Descendo. Expelliarmus. Bombarda. Oui, on va comprendre sa douleur. Incendio. Trop loin. Bien essayé. Ok, go. Confringo. Réductor.
Tu m'énerves. Voilà, t'es au courant. Eh ben voilà, il te fait bien. Oh non, il court là, lui. Action. Voilà. Il nous embête un peu. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Juste faire un petit truc. Deux secondes. Je vais mettre le chat un petit peu plus près. Comment on fait encore ça? Voilà. Ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, je peux faire ceci. Et... voilà, c'est parfait. Comme ça, j'ai une belle fenêtre avec le chat. C'est impeccable. Bon, où qu'on devait aller? On a encore 600 mètres à faire. Vous savez quoi? Vous avez vu le balai? On va sortir mon autre copain. Pour aller jusque là. Ça, par contre, c'est la classe. Ouais, tu peux même farmer avec. Donc ça, c'est bien. U, El Céleste, U. Je pensais que j'avais déjà fait la mission de la mine, là. Ou alors j'étais déjà venu ici, j'aurais pu dire. Ça fait quand même... je crois que c'était une bonne semaine que j'ai pas joué. Si pas plus. Donc je suis un petit peu en retard par rapport à beaucoup d'autres. On va arranger ça, hein, très vite. Nous voilà donc à la mine. Et il y a du monde. Hop, on va attendre un peu. On va aller se poser un peu plus loin. Alors, on a des gobelins. C'est parti. Où le gobelin? Rebellion. Bon, ça va, c'est juste des chats. Expelliarmus. Contrego. Stupéfix. Confringo. Voilà. Les suivants. On craint un petit peu. Je ne dirais pas non à un ragoût de champignons. Revelio. Oh, il est là-bas. Expelliarmus. Hop. On ne devrait pas faire long feu celui-là. Aïe. Ça va venir. Tu t'en tireras pas comme ça. Ah, c'est là que tu te planques. Viens ici mon coco. Ah bah. Ça marche aussi. Le mec s'est pas sauté au-dessus d'une barrière. Bon. Incendio. Confringo. Il est violent, mec. Oh merde, la folle! On va d'abord s'occuper des gobelins. Il n'y en a pas un autre qui me tirait dessus là? Non, bah, il n'y a plus que le troll. Ah bah, c'est très bien. On va focus le troll alors. Ah, il a beaucoup de PV le monsieur. Fais bien un peu. Prends le ton cavi. Ça va, je le pique quand même. Ah, il peut venir. Ouais, tu disais? Comment je vais frapper?
Comment ça chier? C'est ici que tu vas tomber. Je commence à piquer un peu là. Ouais, au moins me débarrasser du troll, ce serait bien. Ah, dommage. Bon, ça va calmer. Bombarda. Non, ça peut pas être. Confringo. Incendio. Non, il voit rien. Voilà, bon, le troll c'est fait. Toi. Oh, le joli petit bug. Depuis bien avant. Bon bah, il bat plus bien avant mon essence, mais tout d'un coup mouru. Confringo. Ouais, DB Kakarot, moi j'ai moyennement kiffé. Hop là, voilà. Je joue sur Xbox Series S. Donc tu vois, c'est parfaitement correct sur Xbox Series. Bon, ça c'est fait. Je vais checker un peu, je sais pas, un petit peu de craft. Allez hop, on récupère vite fait. Emplacement d'équipement sont pleins. Ah, ça par contre ça pue. On va aller voir ça de suite. Non, c'est pas l'inventaire, c'est dans l'équipement. Déjà. Ah ouais, non, c'est propre, c'est très propre. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai beaucoup moins de bugs à streamer sur YouTube que de streamer sur Twitch. C'est intéressant et bon à savoir. Bon, on va faire un peu de place, on va dégager des trucs qui servent à rien. Aussi. Attends, qu'est-ce qu'on a? 186. Allez, zou. Bon, c'est pas mal, je vais même garder la tenue. Il est bien comme ça, non? Vous me direz, alors ici, est-ce qu'on a des trucs plus intéressants? 185, 177, toi tu dégages. L'autre objet, on va pas le prendre, on va directement rentrer dans la mine, on aura sûrement plus intéressant à l'intérieur. Allez, c'est parti. Par contre, je manque un peu de potions, j'aurais peut-être dû faire un petit tour à Poudlard avant d'attaquer directement. C'est pas bien grave. Réveillio. Allons-y voir. Cette mine pourrait cacher un secret. Ça c'est bien ça. Ses fidèles. Faire des potions. Hey Face, comment vas-tu? Petite boulette. Oui, elle est bien méchant. Voilà, c'est parfait. On continue. Allez, c'est parti pour la mine. Pas de traces de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur. Attends, toi, je vais te dégager direct. C'est des trucs qui sont inférieurs. Je vire. Même si je devrais vendre pour pouvoir acheter certains trucs. Je ne manque plus beaucoup d'argent. Pour l'amélioration du balai au niveau suivant. Allez. On rentre dans la mine. On va aller voir ce qui se passe. Sûrement des grosses bébêtes, du gros boss. Ça va être rigolo. Oh, Patotaku, comment ça va? La petite bête. Cette mine est immense. J'espère que pour vous le stream est de bonne qualité. Cet endroit grouille de fidèles de Ranrock. Il faut que je fasse attention. On se vient ici. Hop. Ah, c'est vrai, j'ai Andolois. Ah, mais j'ai tué tous les deux. Bon bah. Désolé, les gars. Non, je rigole, je suis pas désolé. Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la mine. Ah bah allons-y. Allons-y, allons-y. C'est comme à Gringotts, mais c'est moi qui conduis cette fois.
chaud sur place. Où est-ce que ça va me mener? Ranrock sera content de voir qu'on a bien avancé. Qui était ce... Une fois de plus, je l'ai déjà dit, je kiffe la bande-son de ce jeu. J'arrive probablement au bout. Ça va nickel. Ça, super, on a fait un très bon live tout à l'heure avec le dernier, le premier set of play de l'année d'ailleurs. C'était pas folichon, on va pas se mentir. Cap d'élève charmante, ouais, on avait des trucs comme ça, moi je garde pas. Hein. Non, soyons sérieux, j'aime bien être bien stuffé. Hop. Non, j'aurais vraiment dû passer par Poudlard ou par ma salle sur demande. J'ai vraiment plein de trucs qui ne servent à rien. Je dois dégager. Ça me casse un peu les pieds que je suis obligé de les détruire au lieu de les vendre, mais tant pis. Je trouvais pas qu'il ressemble à un mercenaire comme ça, mon perso. J'ai déjà plus de gueule que Solo. Enfin, Solo dans le film Solo, hein, pas dans Harrison Ford, hein, bien évidemment. Action. Hop là. Magie. Oh le fail. En 23, non, j'ai pas vu. Aïe. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais, j'ai... Comment ça passe rapide, vous ne me touchez même pas les gars. Bon mais... Vous croyez quoi ces gobelins là? Bon, je vais aller au moins avec tout ça. Ouais, j'en ai pas entendu que du bien et il méritait pas le signe. Ah, c'est à ce point-là. Hop, 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 hop. Doucement, garçon. Voilà. Au moins, ils font des économies d'électricité, eux. Hop. Bon, pour descendre, ça va pas plus vite. Donc je vous le dis, allez, 1h, 1h30 du matin, grand maximum, j'arrête. C'est bon, demain je vais quand même bosser, malheureusement. Y'a quelqu'un? Oui, à moi. Oh, ça va être... Reste au moment. Les chaussons. Confringo. Bien sûr, tu n'es pas un bon dieu. On te laisse. Ah, quoi. Les acrobaties ne feront que retarder. C'est donc. Je ne. Aïe. On l'a refroidi. Oh mais le jeu est excellent. Pourquoi tu ne viens pas te battre sur toi? Tu as fait ton mieux. C'est l'autre. Oh le petit lac que je viens d'avoir. Comme si tu pouvais me. Confringo. Pas touché. J'adore ce truc. Incendio. Regarde le beau mur.
Oula, ils vont se calmer là. Je sais que je suis doué, mais c'est pas une raison pour me faire mal. Oh, mais là, tu. Pas beaucoup comme ça. Arrête-toi, moi-même. Bombarda. Tu appelles ça Martien? Qu'est-ce que ça? Ça, j'ai récupéré des potions, c'est bien. Bon, je me suis un peu foiré là quand même. Hein. Bon, ça va, je suis remonté à 7 potions, c'est bien. Il y en a quand même pas mal. Alors, Harry Potter, c'est excellent, j'ai lu les livres, j'ai vu tous les films, même les spin-offs. Moi, les animaux fantastiques, j'ai vu que le premier, le reste, j'ai vraiment pas accroché. Les livres, je les ai, mais. Je ferais mieux d'allumer ces chaudières si je veux avancer. Je vais vous faire par ici, je pense. Non, c'est au-dessus, je ne sais pas. J'espère que je trouverai un rock avant le bloc. Allez, on y va. Rébellion. Un peu de sous-sous, ça mange pas de pain. Quand il y a un peu véno, le petit côté serpentard, je serais trop excellent donne. Heureuse et terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer. Il y a un petit bug, il n'y avait pas de musique. Je peux sauver tout le monde. Je dois découvrir la foreuse et arrêter les fidèles de Ragnarok. Bombarda. Expelliarmus. Je n'ai eu aucun mal à dire. C'est vrai que tu me rappelles quelque chose, ça. Hop. Pop. T'es sorti, mais je ne sais pas. Tiens, amusez-vous avec ça. Merde, je vais pas venir, lui. Hop. Eh non, dommage. Tu ne m'arrêteras pas. J'ai pas l'intention de t'arrêter, j'ai l'intention de te tuer. Je crois que j'ai un léger souci là. À moi. Ah, j'ai pas vu la bouclier. Pas visible. Et c'est chelou là, j'ai pas mal. Hein. Aïe, ça fait mal. Ouf. Bon, je me reviens. Je me relève. Ça ne me pas plus. Aïe, mais lâche-moi. Dans le caca. Merci. Voilà, coupe le troll.
faire les potions en passant quand même. Aïe 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 aïe. Là je suis tout mal hein. J'ai bruit de touche pour me protéger. Oh il me reste un millimètre de vie. Bon ça total. C'était chaud. Ah bah oui, j'ai remarqué, merci. Dis-moi pas qu'il n'y a pas de potion dans le coin. Hein. Sinon, on risque d'être un chouïa zigouillé. Ils n'ont rien laissé. Ça va poser problème, tout ça. Et quoi que ce truc-là. Action. On les prend peut-être. Je peux peut-être les taper. Bombarda. Ah oui. Trouver un moyen d'arrêter cette foreuse. Voilà, ça c'est fait. Revelio. Démolir tous les piliers pour détruire la foreuse. La foreuse, ok. Confringo. Je vais, il va falloir que je cavale. Ah ouais, Nelkatoïs, je m'en souviens pas trop. Ah, merde. Toi. Oui, moi. Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien, nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok. Tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'est impossible. Si, c'est possible. Tu savais. Tu savais où il était. Non. Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrok. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Brakbor. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Je sais pas qui parle, mais... Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je pense qu'ils vont un peu s'engueuler. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Trahi ton espèce. Non. Bah si. Avant d'attaquer Davra. Ouais. Ouais. Sauf que là c'est un gobelin. On peut dire baston. Ça passe. Dans tous les cas, il va falloir qu'on retourne à Poudlard parce que j'ai un peu trop exagéré sur les potions. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas joué. Mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Bah bon, je présume que j'en ai pas fini ici. Sortir de la mine, si, ça va, parfait. Réveillon. Peut-être éventuellement, non.
Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. Bon, ça c'est fait. On ressort. Je vais demander à Fick de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrok possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Nous, on se casse. Niveau 26, ça c'est bien. Bon allez. On va d'abord aller à Préolard, on va aller vendre tout ce bazar. C'est plus bas, Mika. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi là? Ah oui, c'est pour le balai. Je sais pas si j'aurai l'argent nécessaire pour l'approcher l'amélioration de balai. Et faire la course. C'est ça, ouais. Faire la course. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après. Oui, c'est vrai, hein, j'ai récupéré ma stream deck. Hein. Et ça fait du bien. Ah oui, je peux pas l'utiliser dans le lab conventionnel. Mais par contre, là, quand je stream des jeux, ça passe. Qu'est-ce que je fous, moi? J'étais parti pour vendre des trucs, hein. Je parle. Raconte ma life, tout ça. Rébellion. Ah bah, c'est juste ça là. Nani. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Ouais, et tu vas me donner des sous. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? De l'argent. Alors. Entre. Hop, hop. Non, c'est bon. Hop, 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 hop. Ça, on va pas vendre, on va regarder. C'est con, ça. Allez, est-ce que j'aurai les 4000? Est-ce que j'aurai les 4000? Croisez les doigts avec moi. Allez, 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 allez. On les a, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a les sous. J'aime bien. Donc, on va pouvoir faire la quête ici. Merci de votre visite. Et on va faire une course en balai. Au revoir. Voilà, amélioration suivante du balai. 4000 dans les dents. Allez, bim. Ce balai fera voilà. Votre bonheur. Je vous le garantis. Et intérêt. Merci de votre visite. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé? Vous me connaissez bien. J'y suis presque. Je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrok et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Ça ne me fait pas peur. Monsieur Wicks. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. Même lui, il n'a pas l'air rassuré. J'ai hâte de voir bientôt de vos nouvelles. Bon, j'ai hâte de vous revoir. Alors, quête entre ciel et terre. Non, je pensais que c'était 37% dans les défis, mais non, je suis qu'à 32 en fait. On va voir pour le point de talent. Qu'est-ce que j'ai en salle sur demande que je pourrais mettre? Les dégâts infligés par les mandragores et la durée de leur effet de l'immobilisation sont augmentés, non. Maxima, non. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Le doigt. Ah, ça par contre c'est intéressant. Voilà. Oui, je sais, j'aime bien la bagarre. L'épreuve de Sandbacar. Il est temps de révéler aux gardiens ce que j'ai appris au CG de Randrock et de ses plans. Non, c'est la dernière preuve, on va attendre, j'ai pas assez de potions, donc ça on va rentrer. Suivre les papillons, entre ciel et terre. Ah non, c'est ça. Parler à Imelda Reyes. Ça va, vous aimez bien? N'hésitez pas à me le dire, et surtout si on en fait régulièrement. Mais sérieux?
sous moi là. La trotte. Bon allez, c'est pas un truc bien méchant, on va aller la faire avant d'aller revendre. Where is Imelda? Imelda is in the kitchen. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Bah si tu le dis. Allez, normalement, mon balai est encore amélioré. On va voir ce que ça donne. C'est un peu chelou les couleurs là. Et c'est vrai ça, on est plus en hiver, c'est juste on arrive au printemps. Oula, il y a du monde là. Le fait passé, mais non. Non, ça va, tout va bien. Coucou, au revoir, merci. Non, mais ces gens qui sont ultra violents. Hein. Est-ce vraiment nécessaire toute cette violence? Voilà, arrête. Yop là. Je ne fais que passer. Je veux voir si c'est une course de balai ou pas. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer un bon point de vue de. Un beau point de vue de Poudlard en, quand on est dans les airs. Au retour, je vous montrerai, c'est promis. Je devrais regarder ça de plus près. Non. Tu regarderas ça de Poudlard. Si je vois sur la carte, si je vois des cheminettes aussi à les prendre. Ouais non, il est vraiment... Franchement, il y a vraiment rien à acheter là-dessus. Est-ce qu'il y a des effets d'eau quand on... Bon non, dommage. Bah si, mais léger. Allez, on arrive. En tout cas, ça se balade assez vite, c'est bien. Paris. Il y en a du monde dans le coin. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Ah oui, il y a effectivement un bug. Regardez. Et le truc qui ne se charge pas comme il faut. Je sais pas ce qu'il a Hogwarts là depuis la dernière mise à jour. Bon, allons voir la madame. Rebonjour Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non? Évidemment. Mais... trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier? Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Attends, j'ai ma potion magique. Chocobon. Hop là. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, Griffon d'Or ? C'est ça que je voulais faire, mais j'aimerais bien avoir là. Ah, il va pas mal donner, hein. Je peux faire mieux que ça. Tant pis. On fera ça. C'est un peu plus délicat, mais bon. Génial. J'ai réussi.
musique est juste géniale. Hop là. Ça n'a pas été trop dur. Ah, Mika. Je vous expliquerai après le souci qu'il y a avec le balai. Ah mais c'est automatisé du coup. Ah bah ça va aider. Ah bah non. Ah ça y est. Je peux enfin le bon contrôle de... Encore enlevé. J'ai réussi. Non mais sérieux. Bon, ça, ça pue un peu par contre. On va la repère, hein. Mais en mieux. Ah mais les graphismes sont en train de bugger là. Je crois que je vais redémarrer le jeu après. Je vais peut-être même le faire tout de suite. Bon bah désolé. Mais décidément c'est la soirée, hein. Hop, hop, voilà. Vite fait, bien fait. Ça me perturbe, là, tout le texturing qui bug ainsi. Encore combien de temps? On a encore une bonne demi-heure, c'est bien. Bon, normalement... Voilà, genre... Ah, c'est mieux. Là, il n'y a plus les bugs. Ce n'est pas ce que j'espérais. Tant pis. Tu vas devoir faire mieux que ça pour faire un meilleur temps que moi. Dans cette course, tout est une question de concentration. Chaque tour nécessite une décision. Prends-en une et respecte-la. Imelda Reyes, serais-tu en train de me donner des conseils? Je ne dirais pas ça comme ça, non. On discute entre amis, c'est tout. Mouais. Bon, tu veux retenter ta chance? Exactement. C'est d'accord. Merci, Imelda. Pas de problème. Vas-y. Allez, on se la refait, cette fois on gagne, hein. Reloren. Là cette fois, hein. Ce vol était impressionnant, sans vouloir me vanter. Voilà, c'est pas moi qui ai le coup, c'est lui. Salut Notif, non, c'est sur Xbox Series S.
franchement, il rend très très bien. Allez, on est bon là. Ça n'a pas été trop dur. Le rendu sur PC par contre avec une bonne machine, ouais, j'ose pas imaginer. Et voilà, 10 secondes d'avance, c'est mieux. Une attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier. Non mais... Fiche mon gueule. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je sais, j'ai mis 10 secondes dans les dents. Oh. Pas mal. Pour quelqu'un de Gryffondor. Fais attention à toi. Bon, ça c'est fait. Retournez voir Albiwix. C'est quoi la quête ? Ça c'est fait. Ouais. Mais... Des trucs à faire. Dans ma petite salle sur demande. On va essayer de refaire quelques potions parce que... Là tout à l'heure j'ai un petit peu beaucoup morflé. Ça m'apprendra à pas avoir joué aussi souvent que je ne le voudrais. Ce que je les ai mis. Ah, ils sont là-bas. Voilà. La salle sur demande, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, bah c'est un petit peu votre maison, vous faites un petit peu ce que vous voulez dedans, vous déposez les objets, disposez les objets comme, comme bon vous semble. Et, ah oui. Hop, tenir robuste, bon, toi, je vais vite te vendre. Bon, par contre, mon appareil à potion, il est pas top. Là, on est parti pour deux petites minutes de création de potions. Donc si quelqu'un a une bonne petite histoire à raconter, c'est le moment. Déjà, qui joue encore dans la... Qui joue encore, non, qui joue tout court à Hogwarts Legacy dans le chat. Et où est-ce que vous en êtes ? Il y en a déjà pas mal qui l'ont terminé. Je retourne voir Albiwix. Elle attendra. Parce que là, je prends soin de ma santé. Hop là. J'en profite, hein. Je me sustente. C'est dingue, vraiment dingue la différence entre YouTube et Twitch. Twitch me demande beaucoup plus de ressources quand je stream dessus que YouTube.
ça, c'est intéressant. Allez, on va dire qu'on a encore une petite demi-heure. J'en fais encore une ou deux. On verra s'il y a un petit peu de bagarre. Une bonne petite bagarre contre un petit boss pour terminer. On a l'épreuve à faire de l'autre, là. J'en déduis donc qu'on n'est pas loin de la fin. Nicodémus, rien que pour toi. Pardon. J'en ai que 6. C'est pas des masses, ça. Allez, on va en faire 4 vite fait. Pendant que je me prépare à boire. Mais justement, Nicodémus, toi qui me suis aussi sur Twitch, est-ce que tu trouves que la qualité du stream sur YouTube est aussi bonne que celle du Twitch? En tout cas, j'ai moins de bugs, moi. J'avoue que pour le coup, je suis un peu étonné. Tu vois, les petits problèmes de son que j'avais et tout, bah là, j'en ai absolument aucun. C'est peut-être parce que c'est sur VDK TV. Qui sait? Allez, encore une et puis on y va parce que je sais bien que c'est un peu long, c'est un peu chiant. Alors vraiment que j'achète le truc à potion pour en faire blinder d'un coup. Voilà, c'était la dernière. J'en ai 10, c'est nickel. Zou. Et voir, on a une quête ici. L'épreuve de Sandbacar. Allez, à la salle de la carte. Est-ce qu'on fait l'épreuve là, ou alors est-ce qu'on regarde sur une quête secondaire? Parce que l'épreuve là, ça risque d'être assez long par contre. Hein. Attends. Qu'est-ce qu'on a? Entre ciel et terre, retourner voir Albiwix. Trouver les bafous, non. Elle me gaffe cette quête là. Ça aussi, le poulain qui sauve son espèce. Atabra son bal mal. Acheter un créateur d'enclos de reproduction, non. Entraînement aux enchaînements de sorts, non. Vas-y des braconniers, parlez à Poppy. Pour moi c'est au moins équivalent, peut-être un peu plus fluide, il n'y a jamais de ralentissement ou de saccade sur YouTube. Mais ouais, c'est ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, parce que les petits soucis de son et tout, je les entends. Et là, bah, j'ai absolument rien, donc... Bah écoute, c'est bien, je risque de streamer beaucoup plus souvent sur YouTube que Twitch pour finir. Même si sur Twitch, il y a quelques jeux que j'affectionne, comme Evil Dead. Ça c'est drôle. Allez, vous savez quoi? On va avancer dans la quête. On va aller faire l'épreuve de Sandbacar. Alors... C'est... Aller à la salle de la carte, bah oui. ABC. Espérons que tout se passe bien. Si ça se passe pas bien, bah... Je pourrais pas dire j'aime bien. Allez. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire ainsi qu'au gardien que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Ah oui, ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, si là, vous êtes spoil à mort. J'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Bragbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok... Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Dernier dépôt quoi? Dépôt de chambre? Ça change tout. Dépôt de fleurs? Ranrock est en possession des journaux de Bragbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Bragbor. Je viens de tout flinguer. Journaux. Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayons de contenir. Hmm.
Malheureusement, on n'en sait trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai bien peur que vous ayez raison. La situation est loin d'être idéale, mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Ah bon ? Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Bakar vous rejoindra là où est sa poncine. D'accord. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Bon, nous c'était très mauvais ce champ contre champ. Nous devrions peut-être là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Bon. J'ai encore devoir faire des trucs que je comprends rien. Ah ouais. C'est fini dans la salle de la pensine de Saint-Cabar. Mais elle est où? J'espère qu'elle n'est pas à 10 km quand même. Bon bah. Ouais, tic-tac. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça doit être ça. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Bon, ça on a un peu moins à faire. Ouais, il est très beau, hein. Regarde, maintenant en plus on est en plein jour. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Oh, il y a un groupe d'XP gratuit juste là. Allez, j'ai dit que je voulais un peu de bagarre. Allez faire la bagarre. Réveillon. C'est un peu loin. Ah oh non, cela non. La dernière fois que je me suis retrouvé contre, j'ai un peu galéré. Et comme j'ai perdu un peu de temps à faire des potions. On trouvera d'autres sur le chemin. Ça m'intrigue. Nicodémus, mais t'es encore en forme toi ce soir. Oh, c'est joli ça. Et hop, on fait le fifou. Aïe, ben, j'aurais pas dû. Coucou. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Ouais. Ah. Comment ça, cher? Un dino moque. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bon. Vous avez l'air humanoïde. Oh mais sérieux? Ton choix est où là? Ah. Je vais descendre pour entrer. On entre par où? Ah, on a le mage noir là. Évidemment. Reviens ici.
fortifier Expelliarmus sur moi. Je te déconseille. Tu me finis mais combien d'adversaires à toi, tranché. Toi, certaines de tes victimes étaient des amis. Hey, June, comment vas-tu? Comme je disais à Nicodemus il n'y a pas quelques minutes, j'ai beaucoup plus facile de streamer sur YouTube que sur Twitch. Donc c'est un peu chelou. Bon bah eux c'est fait. Attends, par contre, où est-ce qu'il m'emmène avec la carte? Il fait faire tout un détour à pied. Bon, on va le faire, hein, on va aller voir. On verra bien ce qu'il y a sur le chemin, je trouverai peut-être d'autres potions. Donc oui, June, il y a de fortes chances que, mis à part sur certains jeux, je vais beaucoup plus streamer sur YouTube que sur Twitch. Parce que Twitch me bouffe énormément de ressources, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore des grosses bêtes. 400 mètres. Bon, avec le détour, ça fait un peu plus. Ah, mais je suis con, moi. Viens là, toi. Voilà. Je devrais regarder ça de plus près. Plus vite, elle céleste. Ça a un petit côté The Witcher, du coup, avec la monture. Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Ah, mais c'est pas la magie interdite, allez, c'est la magie ancienne. C'est pas la même chose. Ralentis un peu. Ah mais attends. Voilà. Ah bon, c'est pas grave. Attends, faut le voler là. Ah voilà, merci. Plus vite, elle céleste. Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Je vais descendre pour entrer. Bon bah, descendons. Et entrons. Revelio. C'est bien, on a une cheminée qui est juste là, c'est pratique. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre. Ah, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrok. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Mais la disque permet d'en donner la surveillance. Confringo. Voilà. Est-ce un... Mais oui, je crois savoir ce qu'il faut faire. Attention. Ouais, voilà. Vous reconnaissez cette tête sculptée? Je crois savoir c'est quoi. C'est une tête? Ah, je ne sais pas vraiment. Et cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grabkorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grabkorn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grabkorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener comme ici. Geralt ? Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, d'accord. Le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance, et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Ok, alors vraiment, il y a un truc que je veux faire depuis tout à l'heure. Ça me perturbe, finalement, au niveau du look. C'était lequel qu'il est? Mais...
Ah voilà. Le seigneur des rives. attends, j'allais jusqu'à où là. Quoi ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Bah une soupe. Attends, j'allais où là ? Mais ils sont relous à toujours faire tout à 10 km là. Chercher le seigneur des rives. Académie magique de Fort Divers de Skyrim. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah. Attends qu'on est là. Crafter un peu. Allez, zoup. Bon. On prend le turbo. Profite un petit peu du décor. Zéro musique, ça perturbe toujours. Oh, des grosses bêtes. Non, non, je fais que passer, je fais que passer. Je suis sûr qu'avec ce balai-là, je fais le raid de Kessel en moins de 12 par sec. Oh, un troll. C'est mignon ça. Comme par hasard, il y a du monde. Et pas qu'un peu. Non, mais c'est un fort gobelin. Ah non, un fort mageoir. Vous avez vu le move ? Bon. Squelette de truc marin, il est là. Je dois être au bon endroit. Hop, hop, hop. Et merde. Ah bon, ça va. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Une épreuve de Merlin, mais on verra ça plus tard. Ça, c'est le genre de truc que je ferai en solo pour la vidéo finale sur le jeu. Alors. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Bon, je crois qu'il va y avoir une grosse bête. Effectivement. En plus, il a un don d'organe de Cthulhu. Et c'est un boss. J'ai même fait prendre. Aïe, 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 potion. Aïe. Mais il va calmer là. Et il va se calmer, oh wow. Wouhouhou. Je vais pas venir. J'ai mal. D'accord. Ah ! Allez, c'est jouable. Je sens que j'ai bien fait de faire des potions avant.
ça. Aïe. Ça, il est pas si mal que ça. Ouais, si, quand même, un peu. Mais arrête! J'ai failli dire qu'il a un gros coup de queue, mais il y en aura forcément un qui aura lâché titre derrière. Perliaille. C'est là qu'il me balance une grosse patate dans les dents. J'ai besoin de toi, mon ami. La musique, par contre, est très belle. Bon, ben. Voilà, c'est une belle leçon sociale. Tu veux te faire un nouveau copain, tu lui pètes la gueule. La charge du Grappler inflige d'importants dégâts aux ennemis et à certaines barricades. Maintenez LT pour charger. Surveillez la jauge endurance Grappler qui se vide lorsque celui-ci charge. Ouais, c'est ça. Bon. C'est parti. C'est pas par là. Ralentis un peu. Voilà. Ah, c'est-à-dire que je suis mieux. Les braconniers ? Voyons si le seigneur des rives apprécie leur présence dans la région. Pourquoi as-tu besoin d'un hypocrite ? Je regarderai la lueur de la vie qui t'était sûre. À moins qu'on le rentre tous dedans. Ça peut être marrant, ça. Ah, c'était drôle. Tu as honte. C'est toi qui as interféré dans nos affaires avec cette femme. Tu ne devrais pas le mêler à ce qu'il te regarde là. Protéger l'ego. Tu te ridicules. J'ai bien cru que tu allais m'atteindre. Moi aussi, j'ai bien cru. Quelle attaque pathétique. Ouais, je sais, j'arrête pas de bouger. Tu as beaucoup d'endurance, on dirait. Où est le gobelin? Ça, c'était gratuit. Avant d'avoir la chance de l'achever. Ouais, non, clair. Il est super beau. Ah, allez, j'aimerais bien te couler dessus, moi. C'est toi qui as l'envie. Et voilà. Ah, les croyants. Oh, mon sérieux. Je vais un bâtard.
Cache une attaque. Non, en fait, j'aurais pu les taper. Qu'est-ce quoi? Pour le fun, pour ce dernier. Allez. Le pulse. Ah. Voilà. Un braconnier de moins dans le monde des sorciers. Ça pour arrêter le seigneur des rives. Ta chance, ça. Bonjour. Oh, c'est tout ce qu'on vous apprend à l'école de nos jours. Tactique. Oh, mais non, je viens de la capter. Oh, non, non, mais non. Mais bordel, mais pas à cette heure-ci, s'il te plaît. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. Nous avions des projets pour cet hippogriffe que tu nous as volé. Ouais, c'est bien. Hors de mon chemin. Prenons ça, magasin. Ce home gobelin que tu as... Fait que passer. Ah merde, ça les éclate. Ah si, ça les éclate. Ça, c'est pratique ça. Allez, on arrive. Donc, on m'a dit, frérot, tu vas pouvoir tout défoncer. Comment? D'accord. Si on allait se promener un peu. Un truc ici. Ah oui, d'accord, on doit juste rester dessus. Juste dans deux secondes, je cherche un truc, je reviens tout de suite, j'arrive.
Me revoilà, désolé. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Ouais. Les portes de la Moria. Allez, on y va. Et une fois qu'on aura terminé cette épreuve, par contre, je couperai parce qu'il est quand même bientôt 1h30. Vous deux, commencez pas, sinon ça va être sportif. Hein. Alors. Le professeur Rackham a eu raison de vous faire confiance. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Bakar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Quoi, déjà? Y a pas de... Attends, l'épreuve, c'était juste le boss? Sérieux, y a pas d'énigme, tout ça? Ah, à moins qu'il y ait un truc... Ah ben non, même pas. Gozer, le Gozerien. Ah non, c'est sérieux? Putain, j'ai rien de plus à faire. Ah, ça m'étonne, là, par contre, pour le coup. Ah, je suis un peu déçu, là. Pas de jeu de plateforme, rien. Bon, bah, on va directement dans les souvenirs. Alors. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Isidora? Ah, Isidora, moi je suis sûr qu'elle a... Elle est partie en couille. Il a les mêmes yeux que les Gelfling dans Dark Crystal. Nicodemus. Oh le con. J'aime bien. Zan, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord? Ben, je comprends ton ressenti, Lorraine, pour le coup. Mais qu'avez-vous fait? Respirer. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi? À cause de votre arrogance. Oh, le de coup. Votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, titre. Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela.
Expelliarmus. Elle est un peu plus massive que Isidore le Citadin quand même, hein. Oh mais oh, vous avez fini de parler sur mon dos là? C'est quoi ces complots là? Elle est en vie. D'accord. Utiliser le passage magique. Alors que je suis dans la salle. Ah non, je suis pas dans la salle. Ah ouais, voilà, on arrive dans la salle. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux là ? Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrok. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, allez, c'est cadeau. Vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrok ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Bah, si je reviens avec la baguette, Nous aurons le fromage. Je vais envoyer à Ollivander. Pendant que vous y allez, un petit brie, je contacterai le petit maroilles même. Weasley. Professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement. En ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrok. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrok compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt. Ah là 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 là. En fait, ce qui me casse les pieds là, c'est que j'ai envie de voir la suite. Mais il est tard. Il est très tard. Il est presque 1h30 du matin, j'avais dit que j'arrêtais à 1h30. Donc, ce que nous allons faire... c'est qu'on va sortir de la salle. Il y a la sauvegarde automatique de toute façon. J'aime bien.
Ah, mais Lorraine, si tu veux, la Xbox Series S, franchement, j'ai absolument rien à dire dessus. Voilà, on va retourner au menu principal. Je vais juste remettre la manette sur le chargeur. Voilà, là on est bien. Bah écoutez, c'était mon tout premier let's play sur VDK TV. Donc j'espère que vous avez aimé et que on en refera régulièrement, assez souvent, pas forcément sur Hogwarts Legacy. Concours de braguette. Ah bravo. Bravo. Oh, ben, vous deux dans la même pièce, c'est dangereux. Sur ce, ben écoutez les amis, un grand, grand, grand merci pour tous ceux qui ont suivi le live. Et je dis déjà d'avance merci à tous ceux qui suivront le replay. On va se revoir très vite. Mardi, il y aura une petite surprise. Enfin, oui, pas loin. Il faut que j'arrête de regarder le chat quand je suis en train de faire mes phrases de fin de soirée là, comme ça va pas le faire ça. Nicodemus, sors de ma vue. Donc ben, je vous fais des bisous à tous, je vous remercie. N'oubliez pas le petit commentaire qui va faire du bien sur le replay, comme d'habitude, le like, le partage. N'oubliez pas le partage sur Twitter aussi. Et ben, nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais la bise. C'était Mikalouche pour VDK TV et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I